I woke up to an open door, wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home, but nothing to Si j'étais monitrice dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qui se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres, moi, j'irais au chalet. Et encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteurs. Faut que je parte ici.
pas bien. Non, fais pas ça. S'il te plaît, c'est que... Tu sais ce qui se passera. J'ai encore jamais fait ça, papa. Ces gamins. Quoi, Piston? Stop! Arrête de gigoter! Donne-moi la seringue. Elle a été mordue? Bah. Comment veux-tu que je le sache? J'en sais rien. Laisse-moi regarder. Non. Lâchez-moi tout de suite! Abby ? Ryan ? En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendue. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi si. Non. Non. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. Oh putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est là? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui? Je m'appelle Laura Tierney. Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai tué personne. Oh merde, non. Laura Tierney, t'es Laura Tierney? Oui. T'étais censée travailler, t'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Max. Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Ok. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Mais les mains en l'air, ok? Ok. Comme nous nous retrouvons.
Rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? La justice. Œil pour œil. Enfin, cela peut aussi signifier parfois la causalité. Les actions ont des conséquences. Il y a un équilibre dans toute chose et nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de maintenir cet équilibre. Fragile. La lune, quelle puissance. En particulier ce soir, maîtriser sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition. Si vous y parvenez et prévoyez, votre ruse pourrait vous sauver la vie. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles ? Faites votre choix. Bien, allez-y, hop, hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces deux mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Putain de merde. Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme ! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Laura Kearney.
Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Ok. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben... Pourquoi vous alliez à Kate Squarry? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... effauché. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? M'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Avance. Hé! Hé, vous! Connard! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel! Max! Je sais que vous m'entendez! Max, est-ce que ça va? Ouais. Enfin, je suis un peu en vrac, mais... plus ou moins intact, je crois. Laura? Ouais. Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... été drogué? Peut-être qu'on a été drogué? Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett Squarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire.
J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ? Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ouais, c'est un pays libre, officier, face... de cul. Merde. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Hé! Hé! On ne touche pas! Allez! Bouge! Hé ! Arrête de gigoter ! Max, arrête ! Tu fais qu'empirer les choses ! Laura ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? La ferme ! Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Dit que la ville de Norskill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Une cuillère. C'est quoi ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque.
Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok? Va falloir nous aider, là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez! Allez! I woke up to an open door, wrapped up in my lover.